Salut à tous les amis, c'est Félix Gaming, j'espère que vous allez bien, moi c'est plutôt pas trop mal, on se retrouve pour une petite vidéo sur Minecraft. Je vais arrêter de dire Minecraft comme ça, à chaque fois j'ai l'impression que je suis un vieux qui dit Minecraft comme ça. Enfin bref, alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1, donc on l'avait déjà fait l'épisode 1, mais si vous aviez suivi l'épisode précédent, tiens une annotation s'active sur la vidéo à ce moment-là, je sais pas si je la mettrai, mais normalement je la mettrai. Allez voir la vidéo, j'explique que je recommence ma série à zéro parce que j'ai trouvé un serveur pour faire ma survie. Je trouvais ça plus attractif de faire une survie sur un serveur que tout seul. Donc ça me motive plus pour faire la série parce que comme vous avez dû remarquer là, c'est l'épisode 2 a pris du temps à sortir. Enfin il n'est même pas sorti d'ailleurs. Mais c'est parce que je n'étais pas forcément super motivé. Et là, j'ai trouvé un serveur. Donc j'ai fait la vidéo de présentation dessus. Donc c'est Maniacube 3. Donc attendez, l'IP c'est ça. Elle est dessus. Et je vais faire ma survie là-dessus, donc il y a du PVP, survie et tout, c'est en 1.9, donc pour continuer à jouer en 1.9, ça c'est le gros point positif. Donc c'est un très très bon serveur, on va rejoindre tout de suite. C'est parti mes chers amis. Alors, on est dessus, donc là on arrive au spawn, donc le... Si... Salut. Donc j'ai déjà fait la vidéo de présentation dessus, et voilà. Du coup, qu'est-ce que je disais? Du coup, là, on est au spawn. Donc là, j'ai fait une vidéo de présentation sur ce serveur. Donc le spawn a beaucoup changé. Genre, ferai une de vidéo pour présenter le serveur. Donc je ferai avec l'admin, on refera tout ça. Donc on va aller faire une, on va aller dans le monde survie. Le monde survie devrait être où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est le monde survie? Il doit être dans ce sens. Il y a un monde créatif aussi pour ceux qui aiment bien la créatif. Enfin, le créatif plutôt. Oh là là, j'arrive pas à parler. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est que ça? Okay. Ça doit être les homes, je pense. Hein? C'est ça, non? C'est sûrement les. Ah, il y a la haine, les si. Il y a l'entraînement. Ouais. Ouais. Ouais, monde XP. Ah, ça c'est bien ça, le monde XP. On va pouvoir. Épée en pierre. Bois maniacubien. Attends, j'ai regardé le chat si ça me parle. Puff, 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 qu'est-ce qui se passe? Le Phoenix, merci beaucoup, c'est trop sympa. Oui, bon, d'accord. Ça me parle pas très clairement. Alors, bois maniacubien, mais qu'est-ce que c'est ça? Oula, il y a du stuff là-dedans, il y aurait. Par manacubien, pomme rouge, bienvenue. Qu'est-ce qu'on a? Attends, allez, je vais lire un peu le bouquin. Alors, bienvenue sur manacubien. Ouais. Donc, il y a des trésors à trouver. On peut acheter des parcelles à plusieurs villes qui réglera les adeptes de semi-RP. Également, le système d'économie est présent sur le serveur. La monnaie est appelée Maniasu. Très très bien. C'est très très classe. Le serveur, ok, ils ont un site internet. Machin, les règles complètes et détaillées. On va les règles plus tard. Hein. Machin, ok. Donc, il y a un site internet. Vous pouvez y aller si vous voulez. Si vous avez envie de péter des barres sur leur site. Enfin, voilà, j'étais un peu de la merde. Il s'agit d'acheter tout type d'items et des gradouilles. Bon, ça c'est pour l'argent, hein, très bien, l'argent, on connaît l'argent. Hein, voilà. Pour conclure, si vous avez un quelconque problème, n'hésitez pas à lever un team speak machin. Très bien, bah merci beaucoup. C'est connerie là, ça pète partout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Putain, mais la vache, qu'est-ce que j'ai? Pourquoi j'ai autant de stuff là? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Enfin bref, on va aller au monde survie, donc je pense que c'est par là-bas. Waouh! Ok, ok, on va la refaire, je crois. Je m'y attendais pas. J'explore un peu, je regarde un peu la gueule du serveur. Donc j'espère que ça va vous plaire, qu'on recommence à zéro sur un serveur. Le but principal c'est de survivre, de construire. Ouais, vous pouvez protéger vos constructions en faisant slash LL claim. Très bien. Plus d'infos dans le livre donné à l'arrivée. Et monsieur, hein. Alors qu'est-ce qu'on a ici? J'allais voir un peu. On a pas le droit d'y aller. Oh, on est table d'enchante. On est table d'enchante, une enclume, dis donc. Bonne chance en survie. Bah merci beaucoup. C'est parti mes chers amis. On arrive dans le monde survie. Oui. Qu'est-ce que c'est? Bienvenue dans le monde survie. Qu'est-ce qu'il y a des bruits de porte là? Bienvenue dans le monde survie. Ici le PVP est désactivé. Le but est de construire et de réaliser vos plus belles constructions. La destruction de quelques constructions, maisons, machin est interdite. Et bah, ça c'est normal. Malgré l'interdiction de détruire les maisons, vous pouvez quand même protéger les maisons via
protection de la chunk. En effet, il suffit de taper la commande slash LL claim. Téléportation en zone aléatoire, téléportation en zone aléatoire. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Accès sortie survie 3, donc ça c'est les puissants sorties. Bah écoutez, mes chers amis, on va se TP random. Oui! Alors. Ça floude un peu le chat. Alors. Oh, on a un truc là, mais non. Je vais aller m'écarter un peu, on va courir. Allez, on court. Galou galac, galou galac. Allez. On va aller se trouver un petit endroit pour. Une forêt, ça c'est cool, comparé à l'ancien let's play, enfin le début de l'ancien let's play. On n'avait pas de forêt, on était obligé de prendre les bois d'acajou là. C'était pas fou. Oh, on va se mettre dans cette forêt là, j'aime bien la forêt moi. J'aime bien moi, c'est cool la forêt. Bah écoutez, on va se mettre par ici, il y a des moutons. Des moutons, sa mère les moutons. Salut les moutons. Allez. Ah les moutons, et gros gameplay, hein. Tu des moutons, j'espère que ça vous plaît. Oh les moutons, ah, les moutons. Allez. Il m'en faut un troisième. Oh allez, bon j'arrête. Je vais arrêter tout de suite. Alors. Ok, on a trois laines, on va pouvoir se faire un petit lit. Bon. Je sais pas où m'installer. Est-ce qu'on a un slash monnaie? Slash monnaie! D'accord, j'ai 284 mania sous! Hein? On va se mettre dans un endroit un peu. Pas dans une forêt épaisse, là, parce que c'est chiant. Alors. Bon, on va se mettre là. Regardez, on va creuser un trou ici. On va se faire un petit trou ici, là. En mode gros beauf. Hop. Oh, j'ai trop de stuff, ça va pas, ça. J'ai trop de stuff. C'est le bordel dans mon stuff. Mais des bottes comme ça. On va s'habiller un peu. Voilà, on va rester comme ça. On va rester comme ça. On va garder quand même un peu d'équipement pour pouvoir se protéger, même si mon skin est magnifique, hein, très clairement. Hop. On va se faire une table de crafting. C'est parti. Allez. Attendez. Achievements. On n'a pas les achievements, dis donc. Ah mais oui, mais c'est parce que j'ai pas fait Getting Wood. Attendez. Moi je fais les achievements. Moi je vais trahir les achievements. Voilà. Ouais. Super. Alors, on va faire une petite. Oula. J'ai eu peur là. J'ai cru perdre une table de craft. Attendez, c'est une bûche, les gars, là, ça coûte cher. Hop. Tac. Hop. Et voilà, une petite pioche. Petite pioche assez sympathique. Ils ont même un compte Twitter, c'est incroyable, ça, dis donc. Ouais. Le staff est là pour vous aider, n'hésitez pas à les appeler. Oui, très clairement, on peut les appeler. On va faire une petite base tranquillement. Alors. Je regarde un peu les gens qui sont connectés. Hein. Je m'amuse. Quand je parle de chat, ça met à YouTube. Parce que vu que j'ai fait la présentation du serveur, le fondateur m'a mis un petit grade sympathique. Donc ça me permet de ressortir un peu dans le chat quand je parle. C'est plutôt sympa. C'est quoi la commande pour claim déjà? Attends, je demande. Je sais même plus. C'est quoi pour claim? Ouais, gros débutant. Gros débutant. En plus, mon français est pas très. Merci. Ils me répondent tous, c'est sympa. Merci beaucoup. Donc, on va faire un petit trou tranquille. Ah, écoutez, en fait, ce qu'on va faire, si je veux me mettre bien, on va faire une petite ellipse. Et on va faire une petite ellipse. Je vais aller chercher ce qu'il me faut pour survivre tranquillement. Et on se retrouve à ce moment-là. Allez, à tout de suite, Elion. Donc apparemment, il y a quelqu'un dans le chat qui veut parler.
La caméra. Alors, on va voir ce qu'il a à nous dire. Salut YouTube. Bon, alors, re tout le monde. Donc, j'ai miné un peu longtemps. Je sais pas combien de temps j'ai miné, mais bon, enfin, bref, c'est pas bien grave. Donc, j'ai mis des waypoints. J'ai installé Raise Minimap, histoire que je me perde pas. Donc, on a miné un peu par là. J'ai découvert un mineshaft. J'ai pas encore tout exploré. J'explorerai plus tard. Juste, j'en ai un peu marre de miner. Ça fait depuis tout à l'heure que je mine. Donc, on a trouvé. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Beetroot seed. Des pumpkins, un name tag, puisqu'on a trouvé dans le mineshaft un name tag, et ça c'est cool. Donc voilà, j'ai un peu abusé sur les pioches, hein, comme vous avez vu, voilà. Attends, je vais juste poser un coffre pour poser un peu mon stuff comme ça. On va poser un panneau dessus pour le protéger. Paf, paf, paf. Oui, donc il y a des systèmes de protection hein, pour protéger les coffres, tout ça, donc hop, on protège comme ça. Et ensuite, on a slash LL, je crois, claim. Et donc là, ça permet de protéger une zone contre le griffe, tout ça. C'est plutôt cool. Donc maintenant, on va aller prendre un peu de bois. Donc c'est le bois. En fait, on a acheté du bois à un joueur, comme je pense, je l'ai mis dans le montage. Vu qu'on est dans un biome avec du bois comme ça, je vais faire une maison de ce style, bah juste ici, devant ici, et on va faire une maison en bois comme ceci là. Donc on va transformer 3 stacks. Je vais en transformer un déjà. Donc il fait nuit, donc voilà, c'est ce que je vais vous montrer. Donc là, je vais attendre que le jour se lève et je vais commencer à faire une maison ici. Donc je vais aplatir la zone, raser un peu les arbres autour et on se retrouve dès que tout ça est fait. Hein, voilà, allez, à tout de suite. Et re tout le monde. Donc là, on a aplati un peu la zone, donc on est un peu au calme. Mais le mouton, le mec, il mange mon herbe devant chez moi. Non, mais n'importe quoi, tu te prends pour qui, toi, voilà. Alors, bon, il pleut, hein, bien sûr, ça c'est chiant, ça c'est très très chiant. Ouais, j'avais un problème de gun mode, c'est-à-dire j'étais invincible, personne pouvait me taper et tout, donc le problème a été réglé. Qu'est-ce que ça là-haut là? Ce ne serait pas. Ah, c'est le modo qui me regarde. Alors, nous allons construire cette maison, hein, parce que avec ces planches là un peu dégueulasses, mais on a que ça pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une maison toute conne. Hein. Bon, déjà, je vous préviens. La construction et moi, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Hein. Si vous me demandez de construire une maison, ça finit très très mal. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je suis pas très fort en vue de tout ça, mais bon, on va essayer de se démerder quand même. Hein. Une petite maison sympatoque, sympatoque. Oh, j'invente des mots, n'importe quoi, sympathique. Hein, on va essayer de faire une maison un peu tranquillou. J'ai vu il y avait une rivière par là-bas, donc on pourrait essayer de se faire un petit ponton pour aller pêcher. Ou alors on pourrait se faire une rivière carrément. Allez. On pourrait. Alors, on fera juste une maison de base. Après, je vais tester stock pendant toute ton aventure. Il est où? Où c'est qu'il est? Il est caché. Je me sens observé. Ok, oui, on peut pas écrire en majuscule, c'est un peu chiant ça. Alors, hop, 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 pour finir la base. Voilà. Donc, on a miné un petit peu tout à l'heure, j'ai miné un stack de fer. Voilà. Oh non, on commençait pas à vouloir. Qu'est-ce qui me tirait dessus là? Y a un squelette ou quoi? Ok, bon, il y avait un squelette, mais. Ok, j'ai récupéré sa flèche, ah, c'est bizarre ça. Ok. Donc, on va faire un peu les. Putain, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je vais faire les bords. On va essayer de faire un truc comme ça. On va faire une 3 de haut. Voilà. Comme ça. Oh mon dieu, je sais pas ce que ça va donner, mais ça va pas être fou. Hein. Hop hop. 3. Il n'est plus là le mode, non? C'est peut-être lui qui m'a tiré dessus. Moi, je sais pas. Alors, il faudrait que j'ai des vitres aussi. Ça serait cool. Je vais faire des escaliers. Merde. Je vais faire des escaliers parce que je vais faire un. Ok, je vais faire une hache. Je vais faire une hache parce qu'on en a besoin pour péter les murs, ça serait mieux. Si jamais je me fail, voilà quoi.
Ok, donc on va péter ces bûches de bois, j'ai une autre idée. On va pas les faire à l'intérieur comme ça, je vais les faire un peu. J'ai vu quelque chose là. Ah, il est là-haut! D'accord, ok. Donc je vais juste faire les. Je vais les mettre sur les bords, hein, vraiment. J'irai. Je vais faire des murs pleins, je ferai des murs. Je ferai des trous dans les murs après pour. Pour faire. Pour mettre des vitres et faire de l'éclairage. Comme si tu avais dormi. MDR, TKT, au fait, je recorde là. Voilà. Parce que je suis le youtubeur du serveur. Enfin, il y en a plusieurs youtubeurs. J'ai vu un coup de youtubeur se connecter tout à l'heure. Donc, je suis pas tout seul. C'est cool. Mais ce qui est marrant, c'est du coup, je suis un peu highlighté dans le chat. Ça, c'est cool. C'est nice. Donc, tous ceux qui sont sur le serveur, voilà, petite dédicace à vous tous. Voilà. Alors. On éclairait un peu, je vais faire les 3 de haut. Hop, merde. J'ai fait 3, hop. Hop. J'ai une maison toute conne, hein, franchement. Par contre, ouais, la pluie c'est un peu chiant. Parce que je pourrais pas l'enlever, j'ai pas petit fine, un truc comme ça là, non, je l'ai pas. Parce qu'avec Opti fine, tu peux virer la pluie, donc c'est pratique. Si jamais j'ai quel âge? 17 ans et demi, voilà. Hein. Si vous posez cette question, voilà, je dis 7 ans et demi. Si vous voulez savoir, voilà. Oh putain, ça va rendre de la merde, je sens. Bon, écoutez, je vais faire les murs et puis je reprends tout de suite. Ok, donc nous avons, j'ai fini les murs, j'ai mis des portes. Ah, franchement, je suis désolé, hein, c'est vraiment pas très très magnifique, pas très beau. C'est un peu. Slash R. D. D4T. Ouais, en fait, ils m'ont donné une tête dans mon inventaire, j'ai pas compris, c'est pour ça qu'il me dit ça. Ok, donc là, je vais arriver juste à un truc, je vais mettre du bois jusqu'en dessous. Voilà, les petites modifs. Je reprends les extérieurs en off, hein, parce que voilà, ça prend du temps et. Je le ferai entre l'épisode 1 et l'épisode 2 pour que ça soit mieux. Voilà. Bon, j'améliorerai la maison aussi, hein, parce que franchement, elle est pas très magnifique, elle est même très très nulle. Alors, je vais faire un deuxième étage, histoire que je fasse une chambre et tout, en tout cas assez cosy quand même. Et voilà, excusez-moi pour ma voix qui est assez basse. Merde, attendez. Oui, j'ai une voix pas très attractive aujourd'hui. Là, c'est parce que je sais pas, je suis un peu fatigué. Mais sinon, voilà, j'espère que la vidéo est quand même plaisante. Donc, je vais faire les escaliers ici, c'est bien, je pense. Ok. Je vais mettre du bois comme ça. Est-ce que ça passe? Je teste des trucs. Hein. Non. Non, ça passe pas. C'est nul. Très, très nul. Oh là là là, la maison elle va être moche, mais bon, c'est juste pour stocker mes coffres et tout. Je referai une autre version de maison plus tard, hein, avec du bois normal et tout, parce que là, je ferai une maison dans les arbres si j'essaierai. Ouais. C'est un peu tout que, voilà, de base, hein, les maisons dans les arbres et tout, c'est. Oh putain, elle fait 2 de hauteur, ça va pas, faut que je fasse plus haut. Ok, alors. Je vais refaire un étage, voilà, comme ça. Hop, hop. Donc je vais remplir le plafond ici, puis on se retrouve juste après. Bon, du coup, j'ai fini. Alors du coup, j'ai fini le toit. Donc on va pouvoir se mettre. Enfin le toit, le deuxième étage, on va pouvoir se mettre à faire les murs de cet étage et ensuite faire le toit. En une sorte de cône normal, donc c'est une maison assez vulgaire, hein, très clairement. Il n'y a pas encore de fenêtre, j'en mettrai après. Voilà, je suis pas très bon en build, même très mauvais. Ça fait longtemps que j'ai build et tout. Moi, au début, moi, c'est pas moi qui buildais, hein, c'était plus quand on avait un serveur, c'était pas moi qui buildais, c'était mes potes. Mais si j'avais build une maison moderne, encore je pouvais vous faire des maisons modernes.
Là, j'ai pas les matériaux, donc je préfère vous faire avec les moyens du bord. Et ensuite, faire une maison normale. Pas une maison normale, une maison assez jolie, mais là, vu que j'ai pas les matériaux, je préfère vous faire une maison à l'arrache, un peu, pour pouvoir me mettre assez safe et mettre mes coffres à l'intérieur, enfin une salle des coffres, voilà. Et mettre mes usines à côté. Est-ce que je vais faire des usines à vaches, tout ça? Ça peut être sympa. Je vais faire tout ça en l'air parce qu'on n'a pas, on n'a pas beaucoup de claims, on en a que 5, je crois, au maximum. Voilà, c'est un peu la limite du serveur. Enfin, pas du serveur, mais du grade. Quand t'es pas VIP, je crois que t'as que 5 claims maximum. Donc, c'est un claim, c'est un chunk. Donc, tu choisis où tu veux les mettre et puis c'est protégé, anti-griffe et tout. Donc, voilà quoi. Je vais finir ça en coupure. Je vais finir le toit qui est là, je vais faire tout ça qui est là, et je vais mettre le toit en cône pour le toit, quoi, voilà. Donc je vous retrouve dès que c'est fini. Alors, on est de retour, on a fini le toit de la richesse, comme dit notre cher Tom Régor. Donc c'est une très très belle maison que nous avons fait là. On dit bienvenue, bienvenue, hein. Tous les nouveaux arrivants ont des bienvenus. Allez, allez, abonne-toi. Voilà. Donc nous avons. Putain, ça a la main moche. Putain. C'est horrible comme maison. Hein. Maintenant, on va faire des trous dans les murs pour mettre des futures vitres. Non, c'est pas ça que je veux. La torche, je te range. On va mettre des vitres dans ces endroits-là. Plus gaming, je t'attribue le meilleur builder de bras. Non, j'en veux pas. Je le mérite pas. MDR. Très bien. Alors, pas de majuscules. Alors, ils sont chiants avec leur pas de majuscules là, non. Alors, oh, putain, je suis encore sorti de la baraque. Du coup, je vais faire des trous pour les fenêtres. Hein, parce que, voilà, c'est un peu galère. Et regardez, il faut que je vous montre quelque chose. Regardez, ici, mais j'arrive pas à bouffer. Voilà, regardez, on fait ça et on est assis. Ça, c'est pas magnifique, ça. Hein? On se met en F5, hop, voilà, on est assis comme pépère. Hein, on est des pépères. Voilà. MDR, oui, voilà. Donc on a les plugins pour s'asseoir et tout, ça c'est cool. Donc je vais faire des trous pour les fenêtres hein, plus tard, hein, parce que bon voilà, c'est pas, ce n'est pas, je le ferai en off, hein, parce que, voilà. Par contre j'arrête pas de bouffer depuis tout à l'heure, ça ne remplit pas un peu de bouffe, c'est bizarre. Donc arrêtez de poser des torches. J'ai enlevé cette torche là parce qu'elle me saoule. Donc voilà. Donc, oh, il n'y a pas de lumière ici. Donc, j'avais prévu de mettre des torches dans cette salle, déjà pour commencer, et ensuite de faire d'autres salles, c'est-à-dire une salle quand je vais vous inviter sur le serveur, quand vous viendrez avec moi et tout. Une salle où on se retrouvera dans la maison, et puis où je vous poserai avec moi. Enfin, on verra bien ce qu'on fera, mais ça pourrait être sympa. Donc, voilà, attends, on va ressortir le chat. Bienvenue, voilà, bon, je vais éviter de remettre abonnez-vous parce que bon, voilà. Donc la maison est terminée. Voilà, c'est très moche. Très très moche en tout cas. Oh, elle est horrible. Elle est horrible cette maison. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais dites-le franchement, c'est nul. Hein, parce que bon, voilà. Je ferai une belle maison plus tard, parce qu'en fait là, comme je disais, j'avais pas de ressources et tout. Donc c'est un peu galère. Donc là on a miné, je vous remonte un peu, on a miné donc du fer. Du charbon doit être par là ici. Voilà. Hop, hop, hop. Donc voilà. Il y aura aussi un épisode où on explorera un peu le serveur, on fera des mini-jeux avec vous. Donc, je vous dirai quand on fera ça, c'est-à-dire je vous inviterai, puis on fera tous des mini-jeux sur le serveur, ça pourrait être sympa. Donc voilà, donc je vais clôturer cet épisode 1 ici, je pense qu'il a assez duré. Et voilà! Et voilà, donc j'espère que ça vous plaît, donc cette nouvelle série, donc ce ne sera pas en solo du coup, mais en multi. Attendez, je vous ai pas montré le toit du coup, je vais vous montrer en finissant la vidéo. Du coup, c'est un serveur en multi, donc c'est mieux qu'en solo. L'épisode 2, on se consacrera peut-être à faire une usine à vache toute conne. Donc, pour l'épisode 2, je vais me charger de déboiser un peu ce qu'il y a autour de chez moi.
pour non, 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 TKT, je parle aux viewers, voilà. Donc voilà, nous avons tout ça. Il va falloir tout clear, tout ça ce qu'il y a là, il faut tout clear pour qu'on ait un peu un champ de vision un peu plus net. Et on lave le modo, il est caché par là. Et voilà. Donc on déboisera, on fera des usines un peu autour. Donc voilà. C'était Phoenix Gaming, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a plu de faire cette vidéo avec vous. Si vous voulez me rejoindre sur le serveur, le lien, enfin, oui, le lien du site web sera dans la description, ainsi que l'IP du serveur. Et bien sûr, on se retrouve sur ce serveur pour les prochaines aventures. C'était Phoenix Gaming, à plus, abonnez-vous, partagez la vidéo. Salut!